Voilà, encore un excellent moment avec mon Dany Briand. C'est l'appel aux auditeurs aujourd'hui, c'est Mickaël. Salut Mickaël, tu nous viens d'où ? Bonjour, je vous appelle de Marseille en prison. De Corneille-Essonne ? Non, de Marseille, en prison. Il a dit prison, chef. Qu'est-ce que tu fous avec un portable en prison, toi, connard ? Yeah, c'était le groupe Putassé avec leur titre Avec la mort j'irai manger. Dylan, t'as pu choper des pépites cette semaine? Ouais, on va s'écouter le titre méga dark de Fleur du Mal. Mais on se l'écoute tranquillement. On se l'écoute tranquillement. Ouais. Ouais, super. Mais il aurait pu mettre plus de peps dans les basses. Ouais, ouais, ça manque de batterie, ouais. Ouais, ça manque de batte. Yo, coucou la radio, à toi. Non, attends, j'ai parlé tout à l'heure. Non, arrête bâtard, à toi. J'espère que vous êtes pas beaucoup à nous écouter. Ah putain que c'était bon, que c'était bon. Et pas même bon verre de pastaga et on enchaîne tout de suite avec la dégustation du saucisson du mois. Oh, j'ai fait du pâté au piment aussi. Et du pâté au piment aussi, et n'hésitez pas à nous envoyer des sextos si vous jouez à la pétanque. Allez là. Eh les branquignoles, ça c'est un pain au chocolat et ça c'est une chocolatine, merde. Mais ils ont toujours pas compris ou quoi? Putain c'est... Yo les asticots, aujourd'hui gros programme, on va parler de l'embrouille de Stéphanie et Aurélie, de Thomas et de son ex, d'Anthony et de sa nièce et de l'ex de Magali avec son labrador. Il y a aussi l'embrouille entre Valentin et Bruno. Ouais, ouais, on l'a fait ça hier, je crois. Ouais, puis aussi Justine et Thibault. Ouais, et puis Valentin et Bruno aussi. Ouais, non, bref, dans tous les cas, vous réagissez avec le hashtag des embrouilles pour l'audimat. Non, impossible. Et voilà, c'était mon Johnny. Alors c'est le meilleur, hein. Ouais. Alors qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Bah, Gabin, serait bien de changer parce que ça fait 2 mois on écoute que Johnny. M'en fous, c'est un hommage. Ouais. Et c'est même pas un hommage parce que Johnny, il est pas mort. Il est encore là. Et on se remettra. Oh Marie. Oh putain. Oh Marie. C'est une sauveur. File le fric. Je t'avais dit que si on laisse la porte ouverte, ça craint. Ouais, mais je sais pas, je trouvais le concept sympa. Mais... Ouais, bah non. Pas cool. Hey, salut les mecs, c'est Eddie Murphy. À moi. Salut, c'est Homer, comment ça va? Salut les loups, c'est Nico Saliagas. Votez 1 pour Soprano, 2 pour Jennifer. Hey, c'est Antonio Banderas, j'aime les tortillas. Wow, wow, wow. Nous aussi on peut venir si vous continuez à faire de la merde comme ça là. Pas cool. On est sur Radio Mairie, la radio qui s'occupe de tous vos dossiers administratifs. Salut Christian. Premier sur toutes les propositions qui vont tout droit aux responsables de la communauté des communes, des relations directes avec le président de la région, des demandes, des questionnements. On a des réponses à vos problèmes. Première question de Daniel aujourd'hui, pourquoi tu nous appelles? Oui, je vous appelle parce que j'ai un problème de... On peut rien pour vous, désolé. Suivant. Et là, vous faites revenir le basilic là dans la poêle. Ça devrait se faire après avec les tomates. Et on envoie une courte page de pub parce qu'apparemment j'ai tout cramé dans les studios. Hello, hello, aujourd'hui c'est l'expérience du toucher du son. Rémi, tu expérimentes pour nous s'il te plaît? Oui. J'adore, j'adore. Iselt, c'est à ton tour. Waouh. Il s'étouffe, je crois, Victor. Non, non, il expérimente, il est créatif. Waouh, quelle création. Hey, hey, la radio qui vient vous mettre du bon moqueur à l'intérieur là. Alors si vous êtes sur la route, direction la bonne humeur, prenez la nationale du sourire et prenez le péage du plaisir. Allez, hey, hey. Un petit peu là. Et du coup c'est pour ça que j'ai rangé la vaisselle. Et oui, c'est pour ça qu'il a rangé. Ah, on a un appel de papa. Ouais Yvan, c'est papa, tu peux venir m'aider à ranger le garage s'il te plaît là. Ok, et eh ben écoute, j'arrive. T'entends, tu prends l'antenne? Il y a des cousins qui vont appeler pour l'anniversaire surprise. Ouais, c'est ça, ouais, il me semble. Allez, maintenant, on va écouter les premiers mots d'Yvan quand il était petit. Oh, génial. Elle nous fait le plaisir de venir ce soir, c'est notre invitée avec son nouveau titre, T'as cru t'étais qui? C'est Cynthia. Ouais. Attends, il faut chanter par contre. Quoi? Bah c'est pas du playback, c'est de la radio, faut chanter. Il n'y a pas mon autotune, c'est mort moi. Ah ouais, mais... c'est bon, c'est pas grave, wesh. Mais toi, ferme ta gueule, wesh. C'est pas toi qui va passer au bout d'une conne devant tout le monde, wesh. Michalak. Eh oui, bien sûr. Eh bah ouais. C'était en finale top 14. Exactement. Contre dernière question pour toi, Tommy. La dernière finale de Clermont en Coupe d'Europe, c'était contre qui? Allô? Toulon. Et non, le con.
Non mais allez, non, on voit ça. Eh oui, bien sûr, c'était contre les Sarrazins. Eh oui, bien sûr, on se retrouve après la pub pour le quiz Une mauvaise réponse, un caramel. Ouais, les bolosses, on est jeudi soir, demain y'a pas un fille. De toute façon, on s'en bat les couilles, on comptait pas y aller. Alors justement si, parce que j'ai appelé monsieur Dumortier et en fait on va avoir cours demain matin. Ah bah merci le rugbyman. Ah oui, aujourd'hui toujours pas d'émission, hein, Neymar est toujours blessé. Et voilà Antoine. Et vous faites pas si bien dire Denis. Aujourd'hui les thèmes de l'actu: la remise en question du patrimoine israélo-palestinien, l'affaire de viol présumé en Seine-et-Marne et le corps retrouvé inerte dans le Rhône. Alors qui veut commencer? Antoine, j'ai peur. Et coucou, on va lancer la nouvelle musique d'Antonio Banderas, c'est parti. Mais chut, t'as pas aussi fort, y'a ma mère qui dort, j'ai dit. Mais putain, c'est quoi, y'a ses mains qui dort. C'est chiant au bout d'un moment les gars là. Mais j'ai chut. En tapant dessus, vous allez l'imbriquer, ça va créer une liaison pour structurer toute la forme depuis la base. Wow, wow, wow. On est à côté nous. Ma mère qui dort là. Yes, aujourd'hui on accueille Bernard qui est en pleine dépression suite à des problèmes de couple. Salut Bernard, comment tu vas? Je me suis suicidé. Oh mais c'est pas grave Bernard, y'a pire dans la vie. Bien le bonjour, nous sommes sur Radio Relis, Radio Religion, la seule radio qui vous pardonne de tous vos péchés. On discute, on vous accompagne, le but étant de vous remettre sur le droit chemin. Enfin par SMS péché au 836. Prix d'un appel local 26 euros plus le prix de la SMS 44 euros. On est là pour vous, venez pardonner vos péchés. Allez-y.